Salut à tous, salut YouTube, bienvenue sur Total Rome Remastered. On est parti pour la seconde VOD de la campagne avec l'Empire Séleucide qui fait face à une attaque des Parthes, donc sur son armée ici. Donc cette armée est menée par notre chef de faction Aristarque qui va essayer d'éliminer la faction des Parthes de son côté, ça serait pas mal. Bon, ce temps que de l'autre côté on est en train de pousser en Égypte, ça se passe plutôt bien. Chypre est assiégée, on n'est pas loin d'Alexandrie, mais on est en train de faire le boulot quoi. Alors on va sauvegarder. And for your information, UK, UKZ, you are the 240th follower of my chain. Congrats. Of my channel, sorry. Alors, on va se mettre dans le coin ici, hein, je pense. Alors maintenant, faut qu'on essaie de planquer notre cavalerie ben, dans un coin. Et ça, c'est pas gagné. Hein. Question de savoir c'est quoi ça. Oh mes peltast, oh mes pauvres peltast, je les ai complètement zappés. Déjà ça commence bien. Oh il y a le général là. Oh c'est chiant ça, mon dieu. Comment j'ai pu les oublier? Bon, si on arrive à battre son général de notre côté, on pourrait être bien, quoi. Ça m'énerve. Ah, mais faut le buter, non? Bien. Le général ennemi prend la fuite. Profitez-en. Brisez l'élan de toute son armée. Louez soit les dieux. Le général ennemi est mort. Ses hommes vont connaître la peur. Milicien, on va se mettre en mode garde. Vous pareil. C'est des tanks, hein, les cataphractes. Ah, quand même, ça tombe un peu. Ils prennent du dégât. Hey, ils sont en train de craquer, c'est cool ça. La cave de Yaba, tristesse. On va juste avancer tranquillement. Bon, c'est bien, les cataphractes là vont tomber petit à petit, logiquement.
raté. Voilà, on va essayer de les tomber, les cataphractaires. On a eu un tir de leur armée, on va pas cracher dessus non plus. Je pense qu'on va foncer sur la capitale, hein, c'est ça le plan. Comme ça on va encore les mettre plus mal économiquement et après derrière on verra. Alors, si je tente de monter, oh punaise. Bien. Bon, notre armée va poser le siège ici en Médie. Derrière, il faudra qu'on fasse attention. Par contre, la ville peut pas trop se développer, donc on va espérer un truc là. Bon, pour le moment, on continue d'assiéger. Hein. Ok. J'ai tenté de fusionner cette flotte. Ces renforts seront utiles peut-être à Alexandrie. Ok, il y a quoi là? Oh, il y a une grosse armée là. Bon, Alexandrie, il n'y a personne quasiment. Un chamelier ne sera pas de refus par contre. Je vais peut-être rajouter un navire avant, on ne sait jamais. Ok. Alors il y a quoi dans cette armée? Il y a deux archers sur char. Ouf. Ils ont commencé à avoir des bons piquiers. Alors, les tyrans, on peut vite les tomber, c'est pas un problème. On a de la mobilité quand même avec nos javeliniers, on peut jouer là-dessus. Voilà, je pense que si on joue bien le coup, on se met bien, on passe cette armée, on peut vraiment faire mal aux Égyptiens. Le passeur aura... Attendez mes ordres. Alors, je refais la technique du coin ou pas? Oh, allez, vas-y, on va la refaire. Certains vont dire qu'elle a une dignité, qu'elle serait tombée bien bas avec la technique du coin, mais bon, ils sont plus nombreux. Donc, on va essayer de jouer là-dessus. J'ai oublié personne normalement, non. Là, on va faire une masse d'unités. Mais non, ça pue. Alors, oula. Est-ce qu'il a repéré mes tireurs? On va faire gaffe. Attends, comment il a pu me voir là? C'est pas logique. Je suis dans les bois. Ah, je suis cette border de map, ça, ok. Oh putain, ils vont pas me lâcher leur char. On va tenter une charge avec nos gars là. À un moment, faut mourir avec les javelots.
Ah, ça y est, ça meurt, enfin. C'est quoi ça? Allez, viens là, toi. En plus, c'est les frondeurs, ça tombe bien. Allez, hop. Ouais, première unité qui craque. Ça, c'est d'autres frondeurs qui se pointent. Ok. Il y a une autre unité derrière. C'est quoi? C'est des frondeurs. On va aller les chercher aussi. Comme ça, ça fera deux unités de tir en moins déjà. C'est un début. Allez. Vous allez me dire que vous êtes déjà fatigué, sans déconner. Allez, hop, c'est bleu. Allez, deux unités de fondeur, ça dégage. Il reste quoi là? Des tirailleurs. On va se reculer. Allez, on va se mettre en route, on va tenter de foncer sur le E pour voir comment ils réagissent. C'est bien, il y a des chars qui tombent petit à petit, ça fait deux chars en moins encore. Putain, ils mettent cher. Hein. On va se reculer dans le bois, écoutez. Ah, ils sont défaillants là. C'est pas mal. Il y a une unité de tireur là, ils ont dit c'est quoi? On va les laisser venir, hein. Il y a quoi là-bas? Je vais essayer de les rediriger, ça c'est quoi? Oh, c'est quoi de cette charge là? Oh! Il est trop cul. Recule! Non! Mais putain! Pourquoi il va là-dedans ce con? Oh! Non mais c'est... Ok, on va se replier. Alors, on va essayer de faire une sortie là. Je vais essayer de provoquer leur... Je sais que vous êtes fatigué, mais quand même quoi. Attends une seconde, d'où vous êtes en coin vous? Il reste quoi là en face? On a les tireurs, on les reverra plus. Non, ils ont encore quoi comme tireur? Ils ont un tireur ici, deux autres tireurs là, ok. Bon, c'est pas mal, on a comme réduit un quart de leur armée en pièces. Plus de javelot, ça va être embêtant. Bon. Oh, mais je... Oh, les cons. Je hais mes unités. Allez, on va aller chercher le char. Si tu peux mettre en déroute. Bah voilà. Profitez-en, brisez l'élan de toute son armée. Loué soient les dieux, le général ennemi est mort. Ses hommes vont connaître la peur.
Ouais. Non, mais... Putain, pourquoi ils sont allés sur les piquets, ces cons-là? Il reste combien de piquets? Oh, il y en a trop encore. Tu sais ce qu'on va tenter? Sérieusement là, c'est quoi ça? Eh le jeu, tu me fais quoi là? Oh là là, le bâtard. Non mais c'est une honte ce jeu là, il fait n'importe quoi là. Ok, c'est de la milice hoplite, mais merde quoi. Toi ça te fait rire moi-même, mais pas moi quoi. Bon, on reviendra en Égypte plus tard, c'est ça l'idée, on a compris. Ah non, lui il sort. Bon, là, on va accepter cette défaite. Bon. Ouais, je trouve pas ça juste, mais bon. En vrai, on va attendre de libérer l'armée qu'on a à Chypre. Et là, je pense qu'on fera un débarquement direct à Alexandrie. Là. Ils sont sur deux, hein. Tu sais quoi, on va les provoquer. Ouais, est-ce qu'ils vont sortir? Il y a quoi là? Du régiment. Allez, viens là toi. T'es le premier à y passer. Vas-y, tu vas tâter nos piques. Allez, venez approcher mes mignons. Ça va, ça passe. Par contre, on va peut-être ramener notre général en support, on sait jamais. Allez, rallier les troupes. Comment ça, victoire assurée? Non, mais zéro. Ah bah voilà. C'est n'importe quoi le jeu. Voilà, ça c'est fait, un de moins encore. J'en ai marre que le jeu il m'en tube comme ça là. Oh, mais t'es sérieux là? Tu me fais quoi le jeu là? Bah voilà, on se fait entuber comme ça. Et vas-y, non mais ta mère le jeu, franchement là ça me répugne quoi. J'étais en train de gagner, je me fais entuber, non je suis pas d'accord. Non 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 non, le jeu là il se fout de ma gueule, c'est bon. Hein. Ça fait rire certains, mais moi là non, je rigole moins là. Non, 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 c'est bon, hein, là, faut arrêter des conneries. Tu peux me dire tout ce que tu veux, mais là, je suis pas d'accord. Ah, je sais pas, attends. Déjà, on va retirer le tirailleur à nos javelots. Alors, génial, il va sortir par là, ça je suis d'accord. On va essayer de poser le siège devant la porte. On va garder une unité de réserve là, on sait jamais. Voilà, tiens, bouffe-toi tes tirs. Allez, go.
Ouais, vas-y, non, ça m'énerve à chaque fois ce qu'ils font. On va se mettre là pour éviter de prendre des tirs. Rentre-toi, replie-toi. Par contre, là, il y a un joli traquenard à faire. Allez, go. Bien joué. Bon, le plus gros de l'armée est battu quasiment. Allez, voilà. Le général ennemi a été tué. La peur s'insinue dans le cœur de ses soldats. Mission accomplie, commandant. Courez ! Pas l'attaque, vite ! Tuez-la ! Allez, allez, allez ! L'ennemi montre son vrai visage. Voilà, on va faire tomber la capitale. Là, ils m'ont énervé, ça y est. Ouf, voilà. Victoire héroïque, digne de la puissante armée de l'air. Ouais, là, c'est mieux. Bon, on a perdu 200 hommes, et ça devrait aller. Et là, je te jure, on va se faire plaisir. En plus, on pique leur capitale, leur ville leur plus développée, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vas-y, hop. Ces terres sont à nous. À votre service. En route. Donc là, il n'y a plus grand chose normalement. Je vais faire aussi un peu de cavalerie. Là, on en aura besoin. Ah, bah, on a un deuxième général qui a spawné là, c'est cool. Je vais rajouter un autre javelinier pour augmenter le poids. Non. Ah, ça m'énerve ça. Mur, on va renforcer les murs tout de suite. Donc là, la prochaine étape, ça va être Frassa ici pour dégager. Et on va commencer à préparer aussi une flotte là pour aller chercher le campus Saka et battre les Parthes pour de bon. Oh, elle sort d'où cette armée? Ok, on va se replier là. Ça pue du cul. Bon, ils ont beaucoup de PQ, hein, mais bon. Au prochain tour, là, ça devrait tomber, enfin, j'espère. Mais il faut qu'on commence à avoir des unités un peu plus performantes, parce que ça va être compliqué, sinon. Ok, ils sont remontés à 6 territoires. Donc, ils doivent avoir pris la ville, là, je pense. Ils sortent. On va essayer de la faire pour pas prendre trop de pertes à Chypre. Et en plus là on leur piquerait un beau port dans tous les cas. À mon commandement, Bélier. Ouais, pour me laisser venir. On va déjà essayer de les provoquer un peu. C'est pas mal. Il y a déjà un régiment qui craque. Les Siliciens, là, vous avez. On va avancer la ligne d'Hoplite. Oh, c'est des lanceurs de hache? Non, sérieux? Non, non, mais ils sont coups, pourquoi vous... Je t'ai jamais dit de charger. On va tenter un truc. Oh, vas-y,
Go, go, go. On va foncer dans le tas. Ah non, je la connais très... Je l'ai déjà très rarement utilisée, moi, pour dire. Bon, vas-y. Tu sais quoi, on va intervenir comme ça. On va faire un petit contournement, là. Ah, elle suit pas les ordres. Ok, je comprends mieux. Bah, ça m'arrange comme ça s'il rentre dans la ville derrière. Voilà, ça c'est fait. Il reste plus grand chose. Contre le général, on va peut-être le sortir, hein, éviter qu'il se fasse tuer bêtement, ce serait con. Alors, ils se prennent des tirs dans le dos, ça c'est bien. Bien. Ces hommes vont connaître la peur. Allez, on termine l'assaut de Chypre. Next. Ah, ça fait plaisir. Bon, le front part va être gagné, mais bon, l'Égyptien, il va être retardé. Hop. Bonne nouvelle, là. On a réussi à dégager cette armée part. Alors, logiquement... Oh, ta mère, le jeu, là. Oh. Tu fais quoi, là? Je commence à en avoir marre de ça. C'est réseau à la con, là. Bon, la ville, elle est tombée, c'est good. On va garder ce fort le temps 2. Là, on va commencer à avoir des piquets conscrits, ça va être très utile. On a un temple à dégager, c'est celui de Zoroastrisme. Voilà. Et là, on pourrait frapper un grand coup. Hein. Ok, alors on va embarquer ça, ça. Je vais juste attendre encore un tour ou deux. Fais gaffe, tu deviens toxique, reviens dans la lumière. Ah, moi, je suis pas comme certains d'une certaine communauté, mais bon. Alors. Ah, il y a 18 unités là. Il y en a 4 de plus. Bon, vous, vous allez dégager de là. Hop, on va refaire un temple tout de suite là. Un temple en hommage à Dionysos, allez. Bon, ok, là on va devoir tanker une tempête qui arrive. Par contre, il faudrait peut-être que je commence à m'emparer de certaines villes, moi, rebelles. Oui, seigneur. En avant. Du Mercos, ouais. Attends, la ville a évolué, je n'ai toujours pas débloqué. Oh merde. Bon, on va débloquer tout ça. Hein. Je pense qu'encore une unité, je vais aller chercher la ville tout de suite. Lui, il ne devrait pas tarder à décéder, donc s'il décède là, ça nous mettra bien. Il ne restera plus que le campus Saka. Il faut que je refasse une petite flotte, on en a besoin. On va partir sur de la trirème. Au Sardes. On va recruter deux piquets comme ça. On va faire un port, des mines. Et
peut-être du Mercos, hein. Attends, j'ai pas développé le coin. Voilà. Attends une seconde, là. Il y a quoi en Mercos? Oh, mais il y a du... Oh, mais il y a du Mercos qui me plaît, hein. Tu sais quoi, on va se mettre là. On va peut-être tenter de tomber à Dicarna, si c'est possible. Et en vrai, c'est vraiment fort d'ici. Ouais, on peut tenter ça. Hein. J'ai rajouté quand même une dernière unité de javelot. Voilà, s'ils veulent tenter un truc. J'ai 4 unités là de plus, ça ferait 17. Bon, plus grand chose, hein. Là pour le moment, il n'y a plus rien, ok. On va tenter un move. Hein. On va déjà rembarquer tout ça sauf. Parfait. Je vais faire un camp de tireur, je vais améliorer le mur. Je vais faire un temple de Dionysos ici, en priorité. Là, ça commence à me plaire. On va aller taper sur la tête du part. J'attends vos ordres. Oui, puissant seigneur. Voilà, on va faire ça. Et là, on va surveiller ce qu'il fait cette armée. J'ai peur qu'elle aille dans le désert là. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Je vais la faire en auto, je suis même pas sûr que ça passe. Pff, à quoi ça sert, hein? 50-50, hein. Ah, y a des campagnes qui sont vraiment pas simples. Premièrement, on peut vite la battre si on joue bien. La deuxième, il y a quoi? Il y a un archer monté, c'est lui qui va être pénible. Mais si on bat tout ce petit monde, on récupère pas de mire. Les choses sérieuses, attendez mes ordres. Dépêchez-vous. L'ennemi a reçu des renforts. Ils viennent d'où? Ils sont par là, ok. Bon, on fonce, allez. Unité. Unité à l'attaque. Mercenaires. Général. Ah, c'est l'archer qui me fonce. Vas-y, foncez-lui dessus. Le général ennemi prend la fuite. Profitez-en. Brisez l'élan de toute son armée. Bon, l'archer c'est déjà fait. Mission accomplie, commandant. Allez. Le cœur des ennemis déborde de peur et ils s'enfuient. Il y avait quoi là-dedans? Là il y a les chameliers. Là il y a les archers montés. Unité. Unité.
Bon, tant pis, on va laisser tomber, on va essayer d'aller chercher le reste de l'armée, la bonne armée. Oh, il va me rester, on va aller chercher des casse-couilles. Bon, on va reculer, tant pis. On va essayer de l'éloigner. Oh, il faut aller traquer jusqu'au bout de la map, ça c'est un cauchemar. Hein. Oh là, on se fait saucer la gueule, mais eux... Ils changent de cible, ok, comme ça. Oh, et ta mère le jeu. Non, là c'est, ça me répugne, les archers. Et allez, vas-y. Pourquoi je déteste les archers montés contre les clients. Je te jure, ils gagnent, je crie au scandale. Ouais. Tiens. Ça me révolte, quoi. Parfait, pas de mire est tombé. Oui, grand stratège. On va virer ces mercos. On va virer ce temple aussi avec. On va faire un temple en hommage à Dionysos, Déroute et ça. La ville, elle doit être quelque part par ici. Hein. Quelques piquets en défense. Seigneur, préparez à attaquer. Commencez le siège. Bon, ok. Oui, grand stratège. Là, on va essayer de commencer à préparer une nouvelle armée pour aller taper sur l'Égyptien. Je pense notamment des piquets longs. Les archers sont pas de refus. Par contre, on va éviter de laisser sans défense trop la ville sans trop de défense non plus. Les deux là, vous allez rejoindre ici. Ah super, on a deux autres unités de cave là, ça sera très utile. Vous êtes sûr? Bon. On dirait que c'est l'armée de tout à l'heure qu'on avait croisé. Bon bah écoute, qu'ils viennent. Hein. Ils ont des bédouins ici, on a de la cavalerie d'Arabie là. Je vais tenter d'avancer ma ligne de front. Et là, je vais tenter de les provoquer un peu là, avec mes archers. Mes javelins, je veux dire. Oh, ça tombe bien ici, c'est très bien. Mes unités de cavalerie. Oh!
Il y a du pégu là. En vrai là, si on prend l'ascendant, on peut se mettre très bien. Allez, allez les balayer ici. Il y a un archer à dégager là. Ouais, allez, hop. Un petit volte-face là. Oh, ce massacre qu'on est en train de faire là, c'est beau. Mon général, il est où? Allez, on va aller chercher leurs autres tireurs. Donc là, on a tout nettoyé, c'est bien. Attention! Voilà. Non! Mais. Pourquoi, ma cave? Vous êtes. Je vous ai dit d'aller. Bon, ok. Ça c'est fait. Recule-toi. Le général ennemi s'enfuit. Ouais. Il y a une chose à faire pour un commandant. Et en pleine bataille, c'est tout bonnement incroyable. Loué soit les. Voilà. Loué soit les dieux. Cette victoire est certaine. Bon. On a eu cette armée, mais je sais pas si c'était l'armée principale. J'ai de sérieux doutes là-dessus. Quelle grande victoire! Bon, déjà, on va recouper nos forces. Alors, on a des routes. Ah. Voilà donc Bostra en abatté. Bon, bah, écoute. Là, ils ont divisé leurs forces. Peut-être qu'ils auraient pas dû faire ça. Moi, j'aurais pas fait perso. Alors, on a cette flotte là qu'on va couler. Oust. Il y a une autre force qui arrive. Donc, on va continuer de renforcer les défenses à Jérusalem. Et là, on va essayer de tomber rapidement cette ville de Bostra. Comme ça, on reviendra ici. Et hop, on va contre-attaquer là. Voilà. Des murs, ça, on va faire des choses bien. Voilà, ça commence à se passer un peu mieux là. J'ai un peu râlé, désolé. Quand on est dans le dur, ça. En vrai, là, ils ont aucun tireur. Hein. Bon, on va les laisser mourir petit à petit. Alors lui, on va le supprimer, le temps 2. Et après, là, je pense qu'une fois qu'on aura pris Frassa, on va aller chercher rapidement le campus Sakai. On le donnera au site. On va faire un move comme ça. Hop. Donc là on récupère ça, on va récupérer Bostra, si on récupère, on joue bien le coup, on récupère cette ville là également. Là on va être bien, on va être très très bien même.
Ah, là, j'ai un autre général là, qui pourrait bouger. Je vais tenter de récupérer Halicarnas. J'ai oublié un général. Ah, la trace, ça sera utile aussi. On se permet tellement qu'on a de pognon. Réfléchissez longuement avant de répondre. Je t'offre une alliance. Une proposition de plus généreuse. Parfait. Ah, ça attaque Halicarnas, ça fait plaisir. Donc on a deux tireurs. Bon, après les optiques mercenaires, on s'en fout un peu. Allez, là on enchaîne, là on est parti. Alors, tous les tireurs, pas de mode tirier. L'ennemi a reçu des renforts, comme si cela allait changer quelque chose. Unité. Tireur, à l'attaque. Vite, au tronc. Unité. Courez. Dépêchez-vous. Unité. Unité en vitesse. Général. C'est quoi là derrière? C'est un oppli classique, hein. On va essayer de faire peur un peu. Ah, ils sont chauds les... Bon, tire-moi là-dessus toi. Qui craque là, c'est bien. C'est bien, là ça a craqué de partout. Oh, les traces, là vous avez un coup à jouer si vous faites pas des cons. Vous pouvez faire très mal. Ils ont absorbé tous les tirs quasiment. Déjà dedans, on va empêcher qu'ils se reforment. Allez, on le tue là. En plus, les piquets longs sont en train de pousser derrière, ça c'est très bien. Ces hommes vont connaître la peur. On va redéployer nos piquets là-bas sur leur repli classique. On va renvoyer nos frondeurs sur le. L'ennemi montre son vrai visage. Ce ne sont pas des soldats, mais des lapins affolés qui bétalent en tout sens. Allez, go. Oh, mon général, il a pris de lourdes 4 gardes du corps en moins. Bon, ça va. Il s'en sort pas mal. Allez, go.
Bon. Ok, Alicarnas, là ça devrait être bon, enfin j'espère. Un nouveau général, ce sera pas de refus. Bon, on va faire tomber Alicarnas, je pense, là. Je vais juste éloigner mes tireurs du truc. Voilà, on récupère le mausolée d'Alicarnas derrière. Magnifique. Alors, on a quoi là? Hermès? Non. On va partir sur un hôtel en hommage à Dionysos, on va faire des routes, des casernes. Ok, c'est bien. Là, on est pas mal. On a 13 colonies sur les 15 demandées. Bon, on doit encore battre l'Egypte aussi, qui va être pénible. On va essayer de récupérer des mercenaires d'Alicarnas pour former une armée pour aller attaquer Alexandrie. Alors. Là, on commence à être bien. Je vais juste sauvegarder. On va voir si j'arrive à tomber Bostra. Ouais, on la tombe. Je vais la prendre. On va mettre la ville à mal. Voilà. On vous disperse. Derrière, on va réparer le mur. On va refaire un temple en hommage à Héphaïstos. On va continuer de produire des unités. Histoire de montrer qui c'est le patron. Ok, ouais, ça devient bon. Là maintenant il faudra juste préparer une flotte assez puissante et aller chercher la ville. Le port y est prêt ici, on pourrait peut-être former 3-4 navires en plus. Comme ça cette flotte constituera une base, on récupérera les armes au fur et à mesure sur nos côtes et on se mettra en route pour Alexandrie. Je pense que ça peut être un plan intéressant. Ok, l'Égyptien cherche à nous perturber. Bon, ça va pas réussir. Hein. Par contre, là, il y a deux belles armées qui arrivent. Oh, il commence à produire des archers sur char. Attention. On va déjà renforcer nos troupes ici. Ok. Des chars de combat, ça, ouais, c'est des chars de mêlée. Ok, il y a juste un archer là qui peut être pénible. Il va me faire de la cavalerie. Hein. Oh, on peut avoir des éléphants, c'est vrai. Ça, ok, on va essayer de tomber les parts pour cette fin d'épisode. Enfin, ce qui va rester. Des partes. On a deux béliers. Ouais, on en a deux, on va y aller. Comme ça, on aura chassé les partes de Mésopotamie, Média, Tropatène et tout ça. Il ne restera plus qu'à aller chercher les partes au campus Saka. Ah bon, on a ouvert les portes, parfait. On va pouvoir s'engouffrer. Bélier,
Il y a de quoi là? Tu te cataphractaires. Bon, on a des archers montés nous aussi, ces mercenaires sites là. Nos soldats sont devant les murs. Ils vont tenter de les abattre à coups de bélier. C'est quoi qui dit? Ah, c'est cette tour là-bas. Ok. Bélier. Aujourd'hui, les dieux nous sourient. Les murs ont cédé. Faisons entrer nos troupes. Mercenaires. Archer à trop à court. Unité au trot. Mercenaires, courez. On va essayer de les provoquer là. Unité au trot. Par les dieux, nos soldats ont bien travaillé. Ils se sont emparés des murs. Miliciens. On va mettre un front là. Oh là, on peut tenter un truc, une tenaille contre cette infanterie. Mercenaires Sith, dépêchez-vous. Mercenaires. Voilà, là on les a pris en tenaille, normalement ils devraient pas s'en. Ils devraient pouvoir vite craquer. Ça c'est fait, ok. Là, c'est le chef de faction. Hein. Ouais. Profitez-en pour redoubler d'efforts. Bon, par contre, on a pris cher. Hein. Par contre, non, là, je suis pas d'accord. Le général oriental qui se fait 4 unités d'optique comme ça, non. Recule malheureux. On va aller chercher lui, allez. Peut-être sortir mon général de là, non? Allez, vas-y, go. Je vais ramener mes peltas quand même, on sait jamais. Unité. Unité au pas de course. Oh, ils sont en train de mourir, c'est bien. On va pousser tranquillement. Allez, on y va, on rentre dans le tas. Ouais. Allez, on pousse là. Voilà. Ça va clôturer la session. Bon. C'est plutôt pas mal. Ouais, on va déjà reformer ces 3 régiments là. Là on a construit une belle petite flotte. Je vais reformer tout de suite mon peltast ici. Et on verra ce que ça donne pour la prochaine fois pour l'expédition au campus Saka contre les Parthes.
Bon, là, on va faire attention parce qu'on a une autre armée qui se pointe. Bon, on a quand même des bonnes unités. On laissera des troupes en arrière, on va reformer des troupes et chut. Ah, ce navire-là, s'il croit qu'il va m'embêter longtemps. Hop, zouf. Je vais laisser un deuxième port là. Je vais préparer mes mouvements pour la prochaine fois. Les 4 tireurs, vous allez partir. Les piquets, vous allez partir aussi. Il y a déjà 6 unités de prêtes pour la nouvelle armée qui commencera à faire sa tournée pour aller chercher les troupes. Et on verra après ce que ça donne contre les Égyptiens au fur et à mesure. Si on peut récupérer un général sur le passage, tac. Donc là, il nous reste encore une ville à aller chercher. Alors, je sais pas où elle est. Par contre, je crois qu'elle est quelque part par ici. Mais bon, là, je suis plutôt content de moi. C'est au moins les Parthes. Ils m'ont pas attaqué. C'est moi qui les ai plutôt attaqués. Je vais voir ce qui reste au campus Saka. J'espère pas grand-chose. On fera une armée assez conséquente. Et on ira chercher la ville. Voilà un peu le plan. Je vais juste passer le tour et on arrêtera là. Voilà, ça c'est fait. Oh, les Arméniens, qu'est-ce que vous voulez? Bon ordre, Seigneur. Sire. Sire. Je vais tout de même laisser l'archer monter ici. Oui, mon capitaine. Oui, grand stratège. Ça pue les Arméniens là. Monsieur, immédiatement. Je vais même embarquer mon espion, il peut toujours servir. J'ai 9 unités. J'ai rajouté un autre javelinier. Je vais juste vérifier. Alors que me veulent partent. Puissons-nous parler de manière raisonnable? Au revoir. Non. L'Arménien, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu veux? Alors, l'espion, on va l'embarquer également. Là, on est à 11 unités, une demi-armée, c'est correct. Je peux recruter ces deux-là, parfait. Et je commence à me préparer pour remonter là-haut. J'espère juste pas me faire avoir dans le dos. C'est ça qui m'inquiète un peu. Ok, ok. Navire paré. Je vais rajouter 2 phalanges de piquet non ici en plus. Et là on va se mettre en route, allez. On se mettra en route, on va voguer vers Alexandre directement avec une partie de l'armée, de l'autre armée. On essaiera d'attaquer Memphis directement, quelque chose comme ça, et on descendra. Parce que là, la situation égyptienne, normalement. Ils ont encore 5 terrains. 5 territoires. Ils ont ces 3-là, c'est sûr. Il y a une ville ici, on pourrait peut-être aller la chercher. Ils ont 6 voix, moi je vois que ça. Enfin, on verra ça la prochaine fois. J'espère que ça vous a plu YouTube. On se dit à la prochaine pour la suite de nos aventures. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.